Ainsi, le petit vampire en rouge retourna patiemment au champ de citrouille chercher le sac à dos de l'infortuné chasseur. Des cartes des ennemis. Thank you.
Bonjour, chasseur. C'est ça que tu cherches ? Mon sac à dos ! Merci beaucoup, petit vampiron rouge. Je t'en dois une. Suis-moi, je te montre un raccourci vers la chaumière de ta mère grand. Le gâteau est prêt. Mère Grand va l'adorer. Merci d'avoir récupéré mon sac à dos. Je t'en dois une, ma biche. Oh, on dirait que quelqu'un a placé un distributeur ici. À quoi peut-il bien servir ? C'est évident, Papy Drac. C'est là qu'on peut acheter de superbes cartes avec les pièces répandues dans toute l'histoire. Eh bien, ça ne me paraît pas si évident. Mais vu que c'est là, autant s'en servir. Le chasseur montra ensuite un raccourci au petit vampiron rouge, menant chez Mère Grand. Repose-toi, petit vampiron rouge. Je passe devant pour m'assurer qu'il n'y a aucun signe du grand méchant loup. Il ne me semble pas que l'histoire prenait cette tournure. Je vais la relire. Thank you.
Mais bientôt, le petit vampire en rouge se retrouva bloqué. Wow! C'était pas là il y a quelques heures! Dit le chasseur surpris. Regardez! Le sol est couvert d'empreintes. Mon sens aigu de l'odorat me dit que ce sont des empreintes de... dodo! Tu peux te détendre! Expliqua le chasseur. Ils n'eurent donc d'autre choix que de rebrousser chemin. Quoi? Pourquoi? Elle n'a qu'à marcher sur les murs. Mais comment est-elle censée faire ça? C'est impossible. Oh, d'accord. Le petit vampire en rouge se mit à marcher sur les murs. Cool. Cool. Oui, c'est ça. Tout comme la fois où j'ai appris ça à Mavis, alors qu'elle n'était qu'une bébé. Fantastique! J'ai l'impression de revoir Mavis à ses 30 ans. Thank you.
s'en sort bien. Une de plus dans la collection. Le petit vampire en rouge arriva enfin au cimetière, jouxtant la chaumière de Mère Grand. C'est fou, ma biche! Je suis sur le point de battre mon record personnel! Je pense que quelqu'un nous suit. C'est toi, l'étranger qui nous colle au train. Mais... ça alors, c'est Bigfoot. Où ça? Hé, au voleur! Oh, mes reins. Je suis trop vieux pour ça. Mon père a une drôle de tête sur celle-ci. Non, Papy Drac, ce n'est pas ce que dit l'histoire. Thank you.
Le petit vampire en rouge finit par retrouver le panier que le vilain loup lui avait dérobé. Mais, oh non! Le panier est vide! Ciao, andouille! C'était une piège! Après lui avoir montré le chemin le plus long, le grand méchant loup avait filé avec le gâteau vers un raccourci menant chez Mère Grand. Vite, petit vampire en rouge! Le temps presse! Encore une carte. Ma collection grandit à toute vitesse. On a récupéré toutes les cartes de ce chapitre. Quelle équipe du tonnerre! En arrivant chez sa mère Grand, le petit vampire en rouge n'en crut pas ses yeux. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ma petite fille! Fra quatre pattes, t'as tout gâché! La bête a avalé tout le gâteau en une seule bouchée! Oh, mon ventre! Tu savais que le grand méchant loup voulait voler ton gâteau? Si je savais, je lui ai dit de le faire! Quel gros culot tu as, Mère Grand! Mais pourquoi? Oh, petit vampire rouge, mon trésor! Laisse-moi tout expliquer! Papa? C'est toi? Oui, c'est moi! Je voulais te montrer que les bois sont un endroit très dangereux et qu'il ne faut pas faire confiance aux inconnus. Je ne suis plus une enfant, papa. Je sais, ma chérie, c'est juste que... Tu seras toujours ma petite fille de 100 ans. Ça fait tellement mal. Regardez ce que vos bêtises ont provoqué. Je vais devoir chercher des ingrédients dans tout le marécage pour concocter un breuvage de soins. Si tu veux allumer le feu magique, tu dois te procurer une baguette ensorcelée. J'en ai vu une dans les bois hantés.
Oh, mon ventre. Pour ce breuvage, il faut trouver une graine de plante carnivore et un champignon du marais. Si tu veux allumer le feu magique, tu dois te procurer une baguette ensorcelée. J'en ai vu une dans les bois hantés. Joli! Il ne manque plus que trois parties de mon corps, mon pote. Allumer le feu. Où est ce bâton que le chasseur a aperçu? Non, ça s'est déroulé autrement.
me semble pas que l'histoire prenait cette tournure. Je vais la relire. Grâce à la baguette ensorcelée, tu pourras allumer le feu magique et préparer le breuvage de soins dans le chaudron pour le loup. Pour ce breuvage, il faut trouver une graine de plante carnivore et un champignon du marais. Bien que le loup ne méritait pas son aide, le petit vampiron rouge partit chercher le premier ingrédient du breuvage de soins dans le marécage. Si je me souviens bien, il devrait y avoir des graines de plantes carnivores par ici. Des plantes carnivores? Elles ne poussent que dans des endroits très précis. Eh oui! Pour en trouver, le petit vampiron rouge n'avait d'autre choix que de s'aventurer dans la zone interdite du marécage. J'espère qu'on n'en ratera aucune. Ha!
de plus. Après une longue, longue marche, le petit vampire en rouge arriva au cœur du marécage, où grouillaient toutes sortes de créatures, plus dangereuses les unes que les autres. Oh non, ils sont trop nombreux.
Ah ah ! Mais le petit vampire en rouge avait plus d'un tour dans son sac. Mets-leur une raclée, petit vampire en rouge ! Mais c'est pas ça l'histoire. Lis correctement. Encore une carte. Ma collection grandit à toute vitesse. On a récupéré toutes les cartes de ce chapitre. Quelle équipe du tonnerre! Ah!
Et voilà, malgré quelques bobos, le petit vampire en rouge finit par trouver le premier ingrédient du breuvage. Oh. Mais elle avait encore une affaire à régler. Témoin une. Le petit vampire en rouge avait enfin le premier ingrédient. Je vais peut-être avoir besoin d'une marmite spéciale. Se dit-elle. C'est sur cette réflexion qu'elle quitta l'ignoble Bourbier.